Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir le tutoriel RPG Maker MV pour compiler et jouer sur Android. M'en faire vite, parce que j'ai pas le goût que ça fasse un tutoriel 20 minutes, qu'un coup que le projet y est terminé, on fait fichier, déploiement, on fait Android. Vous laissez en général le chemin comme ça. S'ils disent de remplacer ou d'écraser, faites non, parce que pour ma part, moi, j'ai eu un petit problème, j'ai fait oui. Puis après ça, mes jeux ne voulaient plus démarrer normalement. La seule solution que j'ai trouvée, j'ai cherché, la seule solution que j'ai trouvée, j'ai créé un nouveau projet. J'ai tout transféré dans mon nouveau projet, j'ai essayé de le compiler et jouer. Ça a fonctionné. Que pour ma part, jamais remplacer ou d'écraser un dossier quand ils disent de compiler. Toujours compiler si y a quelque chose, changer de lecteur. Changer de lecteur, changer de dossier, une clé USB ou peu importe, changer de lecteur. Essayer de compiler ailleurs, essayer d'autres choses. Ou encore peut-être compiler. Là, vous ouvrez, vous copiez tout ça, puis le mettez dans un autre dossier. Peut-être que c'est juste ce petit dossier-là qui fait en sorte qu'il y a un chemin clé ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu un petit problème. Puis là, c'est ça. J'ai changé. J'ai créé un nouveau projet. Puis j'ai tout transféré dans mon nouveau. Puis là, mais ça fonctionne. Puis jamais m'écraser ou remplacer quand je compile. Que c'est ça. Vous compilez. Un coup que c'est fait, le mot il est ici. Vous pouvez le tester. Un coup qu'il est testé, tout est joue bien. Vous branchez votre cellulaire, Galaxy A5. Là, j'ai créé un dossier. Phone. J'ai créé un dossier YouTube. J'ai copié, j'ai collé ou fait juste glisser déplacer. Ça fonctionne. Un coup, ça c'est fait. Vous pouvez le faire aussi à partir de votre cellulaire. Pas celui-là. Celui-là, c'est après. Mes fichiers. Un coup, vous avez cliqué sur mes fichiers. Storage, appareil. Un coup, vous avez cliqué sur storage, appareil. Là, vous cliquez ajouter, créer un nouveau dossier YouTube. Un coup, vous avez YouTube, vous rentrez vos dossiers dans YouTube. Un coup que c'est fait, vous êtes prêt à télécharger l'application DLDB Player sur votre cellulaire Android, tablette Android. Yeah, c'est tout, je pense. Vous avez une application, mais je n'ai pas checké. Moi, je suis sur Android. Okay. Android. Un coup que vous avez téléchargé votre application, on rentre dans l'application. On fait double toucher sur dire. Ça va afficher les fichiers de votre cellulaire ou votre tablette. Vous trouvez votre chemin, YouTube. Si vous le trouvez, vous avez de la misère. Deux petits points, la slash, deux petits points de toucher là-dessus, c'est back. C'est ça. C'est ça. En gros, un coup, vous avez trouvé votre chemin YouTube, le projet. Vous rentrez dans le dossier du projet, www slash. Là, à ce moment-là, il y a le bouton Run qui s'affiche, puis le bouton Add. Cliquez deux fois sur Add, il va s'ajouter sur liste en haut, comme ça, quand vous allez ouvrir l'application une prochaine fois, bien, votre jeu il va être ajouté à la liste en haut, puis ça va être plus rapide à aller chercher. Que là, vous faites Run, puis là, à ce moment-là, on se voit sur la vidéo sur mon cellulaire. Que c'est ça. On se voit sur mon cellulaire. À tantôt. Allez, salut, on est sur mon cell. On appuie sur l'application qu'on a téléchargée. Coucou, l'application est ouverte. Pour vous, ça va être noir, il n'y aura rien. Liste, c'est tantôt, mais qu'on ait ajouté notre jeu. On double-clique sur dire. Pour ma part, je suis déjà dans mon projet. Je fais back, slash, deux petits points. Je clique dessus deux fois. Là, pour votre part, ça va être comme ça.
Là, vous descendez. Vous maintenez la petite flèche en touche de cette petite flèche. Vous trouvez votre dossier. Là, on rouvre le dossier de notre projet. On rouvre www. Là, c'est à ce moment-là qu'il y a le bouton Add pour ajouter à la liste. Là, c'est ici qu'on peut faire Run pour jouer à notre jeu. J'essaie de faire ça vite, là, parce que je veux pas que ça dure trop long. En gros, c'est ça, c'est comme une souris, on clique une fois, puis ça sélectionne. Deux fois, c'est activé, tout comme, ouvrir la porte, nous faire la même. Les deux pouces glissés, c'est le menu. Je vois le journal de quête, tout fonctionne très bien. C'est sûr que ça vous prend un bon téléphone, un Galaxy A5, quelque chose de ce genre, là. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Puis je vais essayer de vous répondre le plus tôt possible. Je vous dis à plus.